négociateur vient d'arriver. Je répète, le négociateur vient d'arriver. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça! Vous devez envoyer un véritable être humain! Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Connaissez-vous son nom? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Avez-vous essayé son code de désactivation? Oui, on l'a déjà essayé. Écoute, la priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe.
Offrez-moi le temps de vous. Fais pas un pas de plus ou je saute! Non, ne fais pas ça! Je t'en supplie! Allez, allez, allez! Bonsoir, Daniel! Comment? Je m'appelle Connor! Comment tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi! Je viens de sortir de ce mauvais pas! Je veux juste discuter et trouver une solution. Discuter? Je veux pas discuter. C'est trop tard de toute façon. C'est trop tard. Est-ce que t'es armé? Oui. J'ai une arme. Lâche-la. Pas un geste brusque ou je tire. Voilà. Je n'ai plus d'armes. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Je croyais qu'elle m'aimait. Mais j'avais tort. Finalement, elle est comme les autres humains. Daniel, non! Écoute. Je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non, c'est pas ma faute. J'ai jamais voulu ça. Je les aimais. Tu vois? S'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. Il n'y a qu'un esclave à qui on donne des ordres. Il perd du sang. Si on ne le conduit pas à l'hôpital, il va mourir! Tous les humains finissent par mourir. Quelle différence si celui-ci meurt maintenant? Je vais lui poser un garrot, d'accord? Ne touche pas! Touche-le et je te tue! Tu ne peux pas me tuer! Je ne suis pas vivant! Viens, Emma! S'il vous plaît, aidez-moi! Je veux pas mourir! Je veux pas mourir! Personne ne va mourir! Reste calme! Tout va bien se passer! Je peux plus supporter ce bruit! Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Daniel, si tu la laisses tomber, ils te tueront! Libère l'otage! Tu n'as pas d'autre choix! Je veux que tout le monde s'en aille! Et je veux une voiture! Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir! Ce n'est pas possible, Daniel! Libère la fille, et je te promets qu'on ne te fera pas de mal! Je veux pas mourir! Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Il ne va rien t'arriver, tu as ma parole. Ok. Je te fais confiance.